Plein, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour vous annoncer que le DLC Biker a été annoncé, donc la date de sortie. Donc il arrive le 4 octobre. Donc je vais vous dire ce qu'on dit Rockstar sur le Rockstar Game. Le 4 octobre, découvrez Moto Boulot Bobo, la nouvelle mise à jour de GTA Online sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce nouveau contenu, au gameplay compétitif et coopératif, les clubs de motards clandestins auront enfin la possibilité de faire gagner leur loi sur le monde de la criminalité de Los Santos et de Blaine County. Cette mise à jour automatique s'accompagne également de nouveaux modes et véhicules, ainsi que d'armes et de vêtements inédits et plus encore. Donc ils ont dit véhicules et non motos, donc on pourrait supposer qu'il y ait des voitures, ensuite des vêtements, des armes et bien plus encore, donc voilà, je suis pressé de le voir. Donc aujourd'hui, découvrez de nouvelles captures d'écran de Moto Boulot Bobo et préparez-vous à sillonner les rues de la ville sur deux roues la semaine prochaine. Donc voici donc les images qui s'affichent. Donc la première, on peut voir que c'est vraiment des nouvelles motos assez stylées. Donc par contre, ils sont pas trop motards, je trouve, mais bon, voilà, c'est pour ceux qui ont peut-être un peu moins d'argent. Ensuite, on va passer à la deuxième photo. On peut voir que déjà ceux-là sont plus motards. On voit un avec un style genre vraiment baraqué et tout. Nouvelle veste en cuir. Nouveau tatouage sur celui de gauche. Une hache donc qui fera partie des nouvelles armes. Et trois motos. On peut en avoir un derrière celui de droite. Un entre les deux là de droite et gauche. Et un à celui qui est à côté de la gauche. Donc on peut voir ils sont vraiment assez stylés. On peut pas trop comme à quoi ressemblent les motos, mais bon, c'est pas grave. Voilà, déjà de loin il a l'air d'être assez stylé. On va passer à la troisième photo qui est vraiment belle, cette moto elle me plaît vraiment beaucoup. Vous pouvez voir déjà que il y a une nouvelle tenue pour tuer les gens et tout. Donc franchement je trouve ça stylé. Un nouveau bracelet, encore de nouveaux tatouages, nouvelle veste. Donc voilà, ça annonce du lourd. On va passer à la dernière photo. Donc déjà ce qui m'a genre ce que j'ai vu en premier, c'est à gauche, vous pouvez voir qu'il y en a un avec sa veste en jean. Il y a des grosses roues, enfin genre c'est des plus grosses roues sur GTA. On peut pas les avoir celles-ci, donc du coup je suis pressé de les avoir pour les tester et tout ça. Donc voilà. On peut voir aussi les nouvelles motos, donc c'est 4 mêmes motos je crois. Ouais c'est peut-être les mêmes, je suis pas sûr, donc voilà. À voir. Et donc là ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.